La trisomie 21 donc, est une maladie congénitale, même si on sait que beaucoup d'associations et de parents n'aiment pas trop le terme de maladie, plus de handicap, parce qu'une maladie se soigne, un handicap ne se soigne pas. Donc cette maladie en fait est une maladie donc, congénitale qui est liée en fait à un troisième chromosome sur la paire 21, en l'occurrence pour la trisomie 21, qui fait donc bah, une petite déficience mentale pour les enfants porteurs de cette trisomie. Ça va être des bébés qui ont du mal enfin, qui sont un peu plus mous que les autres. Donc tous les apprentissages vont être plus lents. Tenir assis, tenir leur tête, se mettre à quatre pattes, ramper, apprendre à marcher, enfin tout ça va être plus compliqué. Quand Gabriel, il a 13 mois, bah, il rampe toujours pas. Donc ils sont mis au sol et en fait, il n'arrive pas à ramper. C'est des enfants qui peuvent avoir des problèmes de vue. Il y en a plus de la moitié qui ont des problèmes cardiaques. Il y en a pas mal qui ont des problèmes ORL. En fait, il y a pas mal de choses qui viennent se rajouter, de petits problèmes qui font que leur quotidien est plus compliqué. Donc bah voilà, ce sont des enfants qui, eux, commencent souvent leur journée par une séance de psychomotricité, une séance de kinésithérapie, pour apprendre justement bah, à s'adapter enfin, au mode de vie, hein, parce qu'il va falloir qu'ils apprennent à marcher aussi. Le fait le plus important quand on est lié au handicap, quand on est parent d'enfants handicapés, c'est qu'on devient beaucoup plus ouvert justement et beaucoup plus sensibilisé à la notion de handicap. Et c'est vrai que bon, ben, quand on n'a pas encore eu à être confronté directement au handicap, on voit des gens, on voit des situations, on est plus ou moins sensible par rapport ben, justement, à sa sensibilité personnelle. Quand on est parent, on l'est beaucoup plus, forcément, enfin, oui, contraint forcé. Mais on l'est aussi beaucoup plus et du coup ben voilà pour l'ouverture d'esprit c'est quand même quelque chose de très bien quand même de s'ouvrir un peu plus au monde et à des questions qui sont quand même assez importantes.